Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le 9e épisode du conte Le prince Badr et la princesse Gulnare. Rappelez-vous que le roi Saleh risque la mort à cause de la demande qu'il a faite auprès du roi de Samandal. Allons voir ce qui va se passer. Qu'on arrête l'insolent et qu'on lui coupe le cou. Les officiers, en petit nombre, qui étaient autour du roi de Samandal, se mirent aussitôt en devoir d'obéir, mais comme le roi Saleh était dans la force de son âge, léger et dispos, il s'échappa avant qu'ils eussent tiré le sabre, et il gagna la porte du palais, où il trouva 1 000 hommes de ses parents et de sa maison, bien armés et bien équipés, qui ne faisaient que d'arriver. La reine, sa mère, avait fait réflexion sur le peu de nombre qu'il avait pris avec lui, et comme elle avait pressenti la mauvaise réception que le roi de Samandal pouvait lui faire, elle les avait envoyés et priés de faire grande diligence. Ceux de ses parents qui se trouvèrent à la tête se surent bon gré d'être arrivés à propos quand ils le virent venir avec ses gens qui le suivaient dans un grand désordre et qu'on le poursuivait. Sire, s'écrièrent-ils au moment qu'il les joignait, de quoi s'agit-il? Nous voici prêts à vous venger. Vous n'avez qu'à commander. Le roi Saleh leur raconta la chose en peu de mots, se mit à la tête d'une grosse troupe pendant que les autres restèrent à la porte dont ils se saisirent et retourna sur ses pas. Comme le peu d'officiers et de gardes qu'il avait poursuivis s'était dissipé, il rentra dans l'appartement du roi de Samandal, qui fut d'abord abandonné des autres et arrêté en même temps. Le roi Saleh laissa du monde suffisamment auprès de lui pour s'assurer de sa personne, et il alla d'appartement en appartement en cherchant celui de la princesse Giauhare. Mais au premier bruit, cette princesse s'était élancée à la surface de la mer avec les femmes qui s'étaient trouvées auprès d'elle et s'était sauvée dans une île déserte. Comme ces choses se passaient au palais du roi de Samandal, les gens du roi Saleh, qui avaient pris la fuite dès les premières menaces de ce roi, mirent la reine, sa mère, dans une grande alarme en lui annonçant le danger où il l'avait laissée. Le jeune roi Badr, qui était présent à leur arrivée, en fut d'autant plus alarmé. Il se regarda comme la première cause de tout le mal qui en pouvait arriver. Il ne se sentit pas assez de courage pour soutenir la présence de la reine, sa grand-mère, après le danger où était le roi Saleh à son occasion. Pendant qu'il la vit occupée à donner des ordres qu'elle jugea nécessaires dans cette conjoncture, il s'élança du fond de la mer et comme il ne savait quel chemin prendre pour retourner au royaume de Perse, il se sauva dans la même île où la princesse Giauhare s'était sauvée. Comme ce prince était hors de lui-même, il alla s'asseoir au pied d'un grand arbre qui était environné de plusieurs autres. Dans le temps qu'il reprenait ses esprits, il entendit que l'on parlait. Il prêta aussitôt l'oreille, mais comme il était un peu trop éloigné pour rien comprendre de ce que l'on disait, il se leva et, en s'avançant sans faire de bruit du côté d'où venait le son des paroles, il aperçut entre des feuillages une beauté dont il fut ébloui. Sans doute, dit-il en lui-même en s'arrêtant et en la considérant avec admiration, que c'est la princesse Giauhare. Que la frayeur a peut-être obligé d'abandonner le palais du roi son père. Si ce n'est pas elle, elle ne mérite pas moins que je l'aime de toute mon âme. Il ne s'arrêta pas davantage, il se fit voir et en s'approchant de la princesse avec une profonde révérence, Madame, lui dit-il, je ne puis assez remercier le ciel de la faveur qu'il me fait aujourd'hui d'offrir à mes yeux ce qu'il voit de plus beau. Il ne pouvait m'arriver un plus grand bonheur
l'occasion de vous faire offre de mes très humbles services. Je vous supplie, madame, de l'accepter. Une personne comme vous ne se trouve pas dans cette solitude sans avoir besoin de secours. Il est vrai, Seigneur, reprit la princesse Jihoar, d'un air fort triste. Il est très extraordinaire à une dame de mon rang de se trouver dans l'état où je suis. Je suis princesse, fille du roi de Samandal, et je m'appelle Jihoar. J'étais tranquillement dans son palais, dans mon appartement, lorsque tout à coup j'ai entendu un bruit effroyable. On est venu m'annoncer aussitôt que le roi Saleh, je ne sais pour quel sujet, avait forcé le palais et s'était saisi du roi, mon père. Après avoir fait main basse sur tous ceux de sa garde qui lui avaient fait résistance. Je n'ai eu que le temps de me sauver et de chercher ici un asile contre sa violence. Au discours de la princesse, le roi Badr eut de la confusion d'avoir abandonné la reine, sa grand-mère, si brusquement, sans attendre l'éclaircissement de la nouvelle qu'on lui avait apportée. Mais il fut ravi que le roi, son oncle, se fût rendu maître de la personne du roi de Samandal. Il ne douta pas, en effet, que le roi de Samandal ne lui accorda la princesse pour avoir sa liberté. « Adorable princesse, reprit-il, votre douleur est très juste, mais il est aisé de la faire cesser avec la captivité du roi, votre père. Vous en tomberez d'accord lorsque vous sauvez que je m'appelle Badr, lorsque vous saurez que je m'appelle Badr, que je suis roi de Perse et que le roi Saleh est mon oncle. Je puis bien vous assurer qu'il n'a aucun dessein de s'emparer des états du roi, votre père. Il n'a d'autre but que d'obtenir que j'ai l'honneur et le bonheur d'être son gendre, en vous recevant de sa main pour épouse. Je vous avais déjà abandonné mon cœur sur le seul récit de votre beauté et de vos charmes. Loin de m'en repentir, je vous supplie de le recevoir et d'être persuadé qu'il ne brûlera jamais que pour vous. J'ose espérer que vous ne le refusez pas et que vous considérez qu'un roi qui est sorti de ses états uniquement pour venir vous l'offrir mérite de la reconnaissance. Souffrez donc, belle princesse, que j'ai l'honneur d'aller vous présenter à mon oncle. Le roi, votre père, n'aura pas si tôt donné son consentement à notre mariage qu'il le laissa maître de ses états comme auparavant. La déclaration du roi Badr ne produisit pas l'effet qu'il en avait attendu. La princesse ne l'avait pas plus tôt aperçu qu'à sa bonne mine, à son air et à la bonne grâce avec laquelle il l'avait abordée. Elle l'avait regardé comme une personne qui ne lui eût pas déplu. Mais dès qu'elle eut appris par lui-même qu'il était la cause du mauvais traitement qu'on venait de faire au roi son père, de la douleur qu'elle en avait, de la frayeur qu'elle en avait eue elle-même par rapport à sa propre personne et de la nécessité où elle avait été réduite de prendre la fuite, elle le regarda comme un ennemi avec qui elle ne devait pas avoir de commerce. D'ailleurs, quelques dispositions qu'elle eut à consentir elle-même au mariage qu'il désirait, comme elle jugea qu'une des raisons que le roi son père pouvait avoir de rejeter cette alliance, c'était que le roi Badr était né d'un roi de la terre. Il était résolu de se soumettre entièrement à sa volonté sur cet article. Elle ne voulait pas néanmoins témoigner rien de son ressentiment. Elle imagina seulement un moyen de se délivrer adroitement des mains du roi Badr. Et en faisant semblant de le voir avec plaisir, « Seigneur, reprit-elle avec toute l'honnêteté possible, vous êtes donc fils de la reine Gulnare, si célèbre par sa beauté singulière. J'en ai bien de la joie et je suis ravie de voir en vous un prince si digne d'elle. Le roi, mon père, a grand tort de s'opposer si fortement à nous unir ensemble.
il ne vous aura pas plus il ne vous aura pas plus tôt vu, qu'il n'hésitera pas de nous rendre heureux l'un et l'autre. » En disant ces paroles, elle lui présenta la main pour marque d'amitié. Le roi Badr crut qu'il était au comble de son bonheur. Il avança la main et, prenant celle de la princesse, il se baissa pour la baiser par respect. La princesse ne lui en donna pas le temps. « Téméraire !» lui dit-elle en le repoussant et en lui crachant au visage faute d'eau. « Quitte cette forme d'homme et prends celle d'un oiseau blanc avec le bec et les pieds rouges. » Dès qu'elle eut prononcé ces paroles, le roi Badr fut changé en oiseau de cette forme avec autant de mortification que d'étonnement. « Prenez-le, dit-elle aussitôt à une de ses femmes, et portez-le dans l'île sèche. Cette île n'était qu'un rocher affreux où il n'y avait pas une goutte d'eau. » وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'il terminait son récit à chaque fois. Bonne nuit, faites de bons rêves, soyez heureux et à très bientôt.